Algeria's long-serving president Abdelaziz Bouteflika has announced he will not be running for upcoming presidential elections in the North African country. The 85-year-old, who took power in 1999, also revealed that elections slated for next month has been postponed. Former Defense Minister Edgar Allen Mbengo and wife Bernadette have been detained at the Kondengi Central Prison. They are being tried by the Special Criminal Court for embezzlement of state funds. Those are top stories. Spectrum Television, welcoming you back from the weekend. Good evening. Thanks for joining us. You're watching the primetime Balingua newscast on STV. We kickstart right away with the breaking story of the continent with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Peter Saussier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat. L'annonce a été faite ce jour. Il a par ailleurs reporté la date de la présidentielle prévue le 18 avril prochain. Et précisons que dans un message à la Nation, le président algérien a précisé, permettez la tautologie, que la présidentielle aura lieu dans le prolongement d'une conférence chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. L'Algérie, il faut le préciser, était confrontée depuis plusieurs semaines déjà à des manifestations depuis l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat, ceci après 20 années au pouvoir. Nous poursuivons ce journal avec vous, Peter Saussier, toujours à l'étranger. Cette fois-ci, on parle d'Ethiopian Airways. Exactly. We talk about the Ethiopian Airlines carrier which crashed on Sunday. As officials continue to investigate what caused the Boeing 737 MAX 8 aircraft, which was en route from Addis Ababa, Ethiopia to Nairobi, Kenya, to crash 6 minutes after takeoff. It should be noted that about 157 persons from 30 nations were killed in the crash early Sunday morning. Details with the VOA. There is no evidence that the incidents in Ethiopia and Indonesia are linked. Ethiopian Airlines Flight 302 lost contact 6 minutes after taking off from Bole International Airport in the Ethiopian capital and crashed about 65 kilometers away. Airline officials say the pilot was among the company's most experienced. Pilot Mohamed Nur Mohamed is an Ethiopian Airlines staff member. He has had more than 200 flight hours. After receiving the aircraft, we did the first maintenance check on February 4, 2019. It was a new and clean aircraft. Kenya's transport minister said Sunday 149 passengers and 8 crew members were killed in the crash. We can now confirm that there were at least 35 nationalities. And I'm saying at least because as of now, 2 are unknown. So among the most affected, as you may expect, is Kenya, which had about 32 passengers on board out of the 149 passengers. Canada lost 18 nationals on the flight, Ethiopia 9, the United States, China and Italy 8 each, France and Britain 7 each, and Egypt 6. There were also passengers from Austria, India, Ireland, Israel, Morocco, the Netherlands, Russia, Poland and Sweden. Ethiopian Airlines is one of the biggest carriers on the continent. The plane that crashed is one of 6 Boeing 737 MAX 8 jets it has ordered. Boeing unveiled the new model in 2017, promoting it as a fuel-efficient and technologically advanced upgrade to its popular 737 series. The second crash of the new model in a little more than 4 months is drawing intense scrutiny as more than 350 such aircraft are flying worldwide. Zlatica Hoek, VOA News, Washington. Parlons de toute autre chose à présent. Les forces de défense et de sécurité ne se laisseront jamais prendre à ce piège tendant à jeter l'anathème sur elles. C'est ainsi que s'est exprimé le ministre délégué à la présidence de la République
en charge de la défense ce lundi à l'ouverture de la première réunion d'évaluation de la situation sécuritaire au Cameroun pour le compte de l'année 2019. Ceci en présence de Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, et Martin Bangangele, délégué général à la Sûreté nationale. Mireille Chabu. Selon le ministre de la Défense, le Cameroun est en ce moment secoué par de violentes convulsions sécuritaires. Et à en croire l'ONG International Crisis Group, la situation se dégrade de plus en plus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toutefois, Joseph Betty Assomo fait savoir que tout ou presque est sous contrôle. Menées qui se traduisent par diverses souffrances, heureusement combattues avec courage, abnégation, détermination et professionnalisme par les forces de défense et de sécurité, au péril de la vie de leurs hommes et dans le strict respect du sacro-saint principe du renforcement du lien armée-nation, n'en déplaise aux participants, aux partisans, n'en déplaise aux partisans de la désinformation, de la propagande abjecte et les martins pêcheurs en eau trouble. Le feuilleton Boko Haram n'a pas encore fini de faire parler de lui à l'extrême nord du pays. Et à lui se sont joints d'autres formes d'insécurité qui perturbent la stabilité sociale et économique dans cette partie du Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, Boko Haram, bien que fortement affaibli, continue à se manifester de temps en temps par les vols, pillages et tueries qui rappellent le chant du cygne. Dans la région de la Damawa, les solennelles et fermes instructions du chef de l'État en janvier dernier, lors de la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de Lumia à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, autant de recours au phénomène de vol de bétail, prise d'otages avec demande de rançon, sont énergiquement mises en œuvre par les forces de défense et de sécurité. Autre foyer d'insécurité, la région de l'Est. À la frontière Est de notre pays, les forces de défense et de sécurité observent la plus grande vigilance face aux soubresauts qui secouent de temps en temps notre voisin oriental sur le territoire duquel, comme vous le savez, notre pays, au prix de nombreux sacrifices, entretient un bataillon de casques bleus dans le cadre de l'opération MINUSCA. Pour conclure ses propos, Joseph Betty Assomo a pris la défense de l'armée camerounaise qui fait l'objet de critiques de la part de plusieurs partenaires internationaux. À travers cette sortie, Yaoundé reste donc sur sa position. L'armée ne commet pas d'exactions au nord-ouest et au sud-ouest. 36 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée au projet d'investissement dans les communes à raison de 100 millions pour chacune des 360 municipalités que compte le Cameroun. Montant issu de la dotation générale de la décentralisation à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Cet argent est-il déjà disponible? Quelle lecture les magistrats municipaux en font-ils? Denise Fampou, maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, réagit dans ce reportage de Narcisse Moto et Gilbert Manguet. Entre le décret du Premier ministre chef du gouvernement du 22 février 2019 portant révalorisation de la dotation générale de la décentralisation et la mise en pratique de ce décret au profit des magistrats municipaux, conseillers municipaux et entre autres entités des collectivités locales décentralisées, l'attente risque d'être bien longue. La date, je pense que le gouvernement a encore des petits réglages à faire. Il y a tout un mécanisme pour débloquer l'argent public. Ce n'est pas comme on croit au quartier. Je vois à mon niveau de la commune, vous pouvez, réaliser un marché ici, vous pouvez livrer quelque chose, mais on ne vous paye pas après un an, parce qu'il y a tout un mécanisme de déblocage de fonds. Pour les magistrats municipaux, cette dotation est importante vu que le volume de projets à réaliser dans les arrondissements nécessite d'énormes sommes d'argent.
Dans la deuxième, par exemple, l'équation de la lutte contre les désordres urbains pourrait commencer à trouver une solution avec cette dotation, même si d'aucuns estiment que l'enveloppe de 36 milliards de francs CFA affectée aux communes est insuffisante au regard des grands défis auxquels sont confrontées les municipalités camerounaises. J'ai dit que ce n'est pas suffisant. Mais déjà, je pense que, pour ma part, j'ai déjà dit quelle direction je vais donner à cet argent. Et je pense qu'en ce moment, le gouvernement même comprendra que ce n'est pas suffisant. Une fois que vous avez acheté deux camions bains, des camions solides, nous n'avons pas besoin d'aller là où nous allons acheter des camions qui, deux jours après, vont nous créer des problèmes de pièces de rechange qu'on ne retrouve même pas souvent. Mais nous allons vers un concessionnaire bien connu de la place qui a des engins bien solides. Une fois que nous achetons deux là-bas, vous voyez bien qu'il ne nous reste plus rien. Pour payer les jeunes qui vont ramasser. Voilà, vous voyez que ce n'est pas suffisant. Mais nous disons merci déjà. Vous savez, on dit merci, mais qui dit merci en redemande. Quant à la question des salaires des maires dans les aérés, on fait jaser l'exécutif communal de la deuxième par les une moisson relativement bonne. Les salaires de maire, nous les recevons. Je pense que les gens, le problème s'était posé sur les problèmes des aérés parce que on avait dit qu'elle prenait effet à la date où elle avait été ordonnée. Donc, on a plutôt différé comment le paiement et les maires réclament les aérés. Donc, mais jusqu'à date, nous recevons nos salaires. La dotation générale de la décentralisation destinée aux communes passe de 10 à 50 milliards de francs CFA. 36 milliards de francs CFA affectés aux communes à raison de 100 millions de francs CFA pour chacune des 360 municipalités que compte le Cameroun. Le reste de la dotation servira à la rémunération des magistrats municipaux, au démarrage des activités des conseils régionaux et au financement de bien d'autres activités et structures liées à la décentralisation. On to the second of our lead stories. Bernadette Mebengo, wife of former Mfundi SDO Edgar Allen Mebengo, has also been detained at the Kondengis Central Prison in Yaoundé, pending her trial at the Special Criminal Court. She is accused alongside her husband and two sons of embezzling state funds. Her detention follows that of the former minister delegate at the presidency in charge of defense, Edgar Allen Mebengo, who was taken to the prison facility on Friday after 72 hours of interrogation and house search by the judicial police as well as the financial crimes court. We continue with the series of this arrest with Ogandoke. Effectivement, Peter Sosa et compagnie, l'ex-ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Kondengi, c'était le 8 mars dernier. Ceci fait suite à une enquête au tribunal criminel spécial sur des présumés détournements de deniers publics. Résumé de l'affaire depuis les auditions jusqu'à sa détention provisoire dans ce reportage de Olivier Bouzic. 2018-2019, un an après sa sortie du gouvernement, Edgar Allen Mebengo fait son entrée à la prison centrale de Kondengi. Une incarcération qui intervient à la suite d'une série d'auditions auxquelles répond l'ancien haut-commis de l'État et ses co-accusés depuis plusieurs semaines déjà. Si le dernier poste qu'il a occupé avant sa descente aux enfers était au ministère des Transports. Selon des informations des dernières heures, Bernadette Mebengo, épouse de l'ex-ministre des Transports Edgar Allen Mebengo, est sous mandat de dépôt provisoire à la prison centrale de Kondengi. Auditionné le 4 mars au tribunal criminel spécial dans le cadre de détournements présumés de fonds publics dans une affaire d'achat de matériel militaire, elle rejoint ainsi son époux Edgar Allen Mebengo, principalement concerné dans cette affaire, puisqu'à cette époque il était ministre délégué à la présidence en charge de la défense. L'enquête du tribunal criminel spécial porte sur des contrats conclus avec Marfos, une firme française spécialisée dans la livraison du matériel militaire. Le tribunal soupçonne des malversations financières, détournements et surfacturations dans les transactions qui auraient fait perdre à l'État près de 200 milliards de francs CFA. C'est en début de la semaine dernière que l'ex-patron de la police a déféré à une convocation du procureur général du TCS, avec lui trois autres co-accusés.
Ghislain Victor Mboutou, ancien attaché de défense du Cameroun au Maroc, qui est secrétaire particulier de Mbengo du temps où il était MINDEF. Léonard Maxime Bangui, ex-conseiller technique au MINDEF et ancien inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances. Et Victor Emmanuel Meunier, directeur général adjoint de la banque à travers laquelle des transactions auraient été effectuées dans le cadre de ces contrats. Tous n'ont pas seulement été auditionnés au courant de la semaine. Des perquisitions ont également été effectuées dans plusieurs résidences et entreprises appartenant à l'ex-MINDEF. Des biens matériels et financiers d'une valeur colossale ont été saisis durant ces perquisitions. Les prévenus ont d'abord été placés en garde à vue au TCS, après être placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Nkondingui en début de la soirée du 8 mars dernier par une décision du procureur général près le TCS, Justine Aimé Ngoumou. Selon une source proche du dossier, leur détention provisoire pourrait être rallongée jusqu'au 19 mars prochain. Ils seront alors présentés à un juge en vue d'une inculpation ou non. Dans le même registre, Léla Renganze dresse pour nous le portrait de ce haut commis de l'État placé sous mandat de dépôt, donc pénitencier de Kondengui. 2018-2019, un an après sa sortie du gouvernement, Edgar Alain Mbengo fait son entrée à la prison centrale de Kondengui. Une incarcération qui intervient à la suite d'une série d'auditions auxquelles répond l'ancien haut commis de l'État Ezeko accusé depuis plusieurs semaines déjà. Si le dernier poste qu'il a occupé avant sa descente aux enfers était au ministère des Transports, il faut dire que c'est son passage au ministère de la Défense de 2009 à 2015 qui lui vaut cet emprisonnement, dont les premiers signes sont visibles dès le 31 janvier 2019, lorsqu'il lui est servi une interdiction de sortie du territoire national, suivie de la perquisition de son domicile le 5 février. Selon des indiscrétions, l'information judiciaire ouverte contre l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense est liée à l'affaire McForce au Cameroun, une firme française de fourniture de matériel militaire. Il est reproché à cet ancien homme fort de Yaoundé des surfacturations dans l'acquisition du matériel destiné à équiper l'armée camerounaise et l'octroi frauduleux des marchés à certains de ses proches. Formé à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'administrateur principal qui a été tour à tour préfet du Fundi, directeur du cabinet civil, patron de la police nationale, MINDEF et ministre des Transports, rejoint à Kondengui d'autres anciens hauts commis de l'État, Polycarp Abaaba, Inouni Ephrem, Basile Atanganakuna, Mouchi Pousseidou, Atangana Mebara et bien d'autres. Un coup dur pour celui dont on disait être le dauphin de Paul Biya dans l'optique d'un après-Biya. Une centaine d'employés de Prime Potomac, entreprise en charge de la construction de certains stades de la CAN, sont en grève dans la cour de gouverneur de la région du Nord. L'information est du patron de cette entreprise. Celui-ci, dans un communiqué rendu public ce jour, précise que les travaux dans la région du Nord sont en arrêt depuis plusieurs mois, faute de financement. Le président-directeur général Belmodo note également que depuis la semaine dernière, une certaine presse annonce que les entreprises adjudicataires des marchés de la CAN ont été payées, alors que son entreprise attend toujours le paiement qui lui permettrait de débloquer cette malheureuse situation. Toutefois, il rassure ses employés et ses fournisseurs quant à l'issue favorable de cette situation et leur demande de rester mobilisés. Encore un marché qui brûle. Dans la nuit du samedi à dimanche dernier, un géant incendie s'est déclaré au marché central de Douala. Bilan, cette boutique réduite en cendres. Un jour après ce drame, nos reporters sont allés sur le lieu. Voici le reportage de René Narcisse Moto et Gilbert Manguet. De la cendre, c'est tout ce qui reste des boutiques de cet espace marchand situé à la partie est du marché central de Douala. Cette boutique, au total ravagée par de violentes flammes qui se sont déclarées dans la nuit de samedi à dimanche matin. Un jour après, cet endroit où on peut encore renifler l'odeur de la cendre a fait naître des petits métiers.
Quelques jeunes spécialisés dans la récupération des objets endommagés s'y trouvent. Ils s'activent au fin de se dégoter quelques objets susceptibles de générer quelques espèces sonnantes et trébuchantes. En même temps, cela permet aussi de débarrasser cet espace des débris causés par les flammes. Jusqu'ici, l'origine des flammes reste encore ignorée, de même qu'il est impossible d'évaluer les pertes. Non, pour le moment, il y a un poteau qui est tombé là dehors. On nous a dit que c'est le poteau qui a causé le court-circuit. Donc, on ne peut pas connaître exactement l'origine de l'incendie. Avant, on parlait toujours de court-circuit. Donc, pour le moment, je crois que c'est cette boutique. Cette boutique, oui. Complètement, non, on n'a rien récupéré. Vous voyez qu'on ramasse les débris, donc rien n'a été récupéré. En un an, c'est le deuxième incendie déclaré au marché central de Douala. Un phénomène très récurrent dans les espaces marchands dont régorge le pays. Il y a moins de deux semaines, c'est le marché Congo qui faisait objet d'un violent incendie. Créer des liens économiques nouveaux entre les petites entreprises africaines et les PME de la ville de Bordeaux et de sa métropole, créer des parcours, des liens entrepreneuriaux et donc de la valeur économique avec la ville de Bordeaux et sa métropole, le tout dans une relation de réciprocité respectueuse des singularités de chacun et de partenariat. Voilà décliné les objectifs de la 4e édition du programme de résidence entrepreneuriale Croisée Bordeaux-Afrique. Celui-ci se tiendra du 2 au 15 juin prochain à Bordeaux en France. Une séance de travail eut lieu ce jour à la Chambre de commerce des mines et de l'artisanat. Il était question de présenter les conditions d'éligibilité à ce programme, les secteurs d'activité concernés, le déroulement du programme et les différentes prestations gratuites proposées. Je vous propose à présent d'écouter Pierre de Gaëtan Djikam. Il est l'adjoint au maire de Bordeaux. Il s'exprime au micro de STV. Mais d'abord, permettez-moi de saluer la vitalité du partenariat entre Bordeaux et la Chambre de commerce et d'industrie des mines de l'artisanat, dont je voudrais remercier le président Christophe Équin ainsi que le secrétaire général M. Bello de nous avoir reçus ce matin. Pour l'édition 2019, il est offert aux jeunes Camerounais la possibilité de revenir ou de venir à Bordeaux passer 3 semaines, donc avec davantage d'ambition puisque nous avons de nouveaux partenaires qui pourront les accompagner, notamment en termes de suivi, hein, puisque une chose est de venir à Bordeaux, passer 3 semaines en résidence entrepreneuriale, être formé, connecté avec des collègues, autres entrepreneurs. Une autre est également, après ce passage à Bordeaux, de continuer à développer son business. Et c'est un peu l'ambition de l'édition 2019. Now, the International Women's Day has come and gone, but its effervescence is still felt in some circles. We now revisit the celebration at the Mongfebe Hotel, where women of Mongfebe Hotel in Yaoundé have praised their management for its continual support to ensure that equality reigns in the tourism establishment. This was during the celebration of the International Women's Day that was last week. Details with John Paul Summer. It was in an atmosphere of pomp and fanfare that the women of Hotel Mongfebe celebrated the 2019 International Women's Day, with the management ensuring that all is set for their women to mark this day in style. Here at Hotel Mongfebe, we are celebrating this International Women's Day along with the women of the hotel. We are happy to say that we are proud of the work they do here. And we continue to promote women. We say as long as women carry out the tasks they are required to do, the hotel does all it can to make sure that they are well promoted and well taken care of. We recognize the amount of work they do as mothers at home and also as professionals in the hotel or in our establishment. So we encourage them and celebrate with them. The ladies on their part appreciated the efforts which has been made so far to put women in places where she deserves to be by virtue of merit. We want to thank the general manager of Mongfebe Hotel in the person of Mr. Nicolas Choban, who has always known how to treat the women of the hotel.
like we if we want to look at the theme of the International Women's Day 2019, the 34th edition, it's talking about that is the crusade against inequality of sex. So here in Hotel Montfebe, I want to say, if we want to take into consideration that theme, I wish to say that women of Montfebe Hotel have a fair share in decision making. Women of Hotel Montfebe are in positions of power, if you want to say, call it that way. Yes. The management of Montfebe Hotel has made it in such a way that what a man can do, a woman can equally do. So you have directors that are women, you have assistant directors that are women, you have heads of services that are women, you have the heads of the kitchen that are women, and what have you. So I want to say that the women in Montfebe Hotel is really a privileged woman. To them, this day is not all about celebrations, but an opportunity to extend a hand of fellowship to their fellow compatriots. After this whole activity in the beginning of the week, we had many activities, and the highlight was when we visited the orphanage, where we had blind children who are orphans, and those who have different kinds of handicaps too. They, just like their peers nationwide, took part in celebrations marking the 34th edition of the International Women's Day with march past at the 20th May Boulevard in Yaoundé. De la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes de Kamerko ont massivement participé au défilé ici à Douala avant de se retrouver autour d'un déjeuner en compagnie du directeur général de la compagnie. Makeda Lidignoton. Les étoiles de la Kamerko résolues à relever tous les défis, c'est le message qui barrait la banderole brandie par les femmes de la compagnie aérienne nationale le 8 mars dernier, lors du défilé organisé à Douala par les autorités à l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. À Kamerko, ce qu'on peut retenir, c'est tout au long de la semaine, notre directeur général, malgré la conjoncture, malgré la situation professionnelle, financière que tout le monde connaît, il nous fait confiance, il est dévoué à notre cause et puis il a mis les moyens qu'il faut. D'autres vont peut-être le lui reprocher, mais c'est sa façon à lui de vivre le thème de cette semaine. Il est avec les femmes, il compte sur les femmes et puis il sait que les femmes sont avec lui. Après la parade à la place de la Bessèque, les femmes de la Kamerko se sont retrouvées autour d'un déjeuner en compagnie de leur directeur général. Occasion pour Ernest Dikoum de saluer les efforts fournis au quotidien par son personnel féminin qui serait majoritaire au Cameroun. Et pour nos femmes, les femmes de Kamerko, vous connaissez bien le thème qui a été choisi cette année au Cameroun. Mais essayons de repartir sur le thème qui avait été annoncé à l'international pour cette journée. Je pense qu'il faudrait qu'on s'oriente au niveau du développement des capacités. Lorsque je regarde les statistiques de compagnie, et je voudrais bien que le cabinet fasse cet exercice, qu'on essaye de voir par rapport aux autres sociétés d'État au Cameroun, quelle est la société comme Kamerko qui a en majorité des femmes comme sur les hommes. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'on a plus de femmes à Kamerko que des hommes. Donc applaudissez pour ça. Humour. Il t'a lancé comme morceau le jour du mariage. Soleil de décembre, annoncez la rupture de nos amours. Interprétation et danse ont meublé ce déjeuner qui marquait ainsi la fin de la semaine d'activité organisée par les femmes de la Kamerko à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Colorful celebrations there. Let's talk sports football. Dragon FC of Yaoundé has beaten Apeges on foot 3-1 in a late day 8 action of the League One Championship, while defending champions Cotonou of Garoua fell in Limbe to Union Sportive of Douala by 1-0. Let's have a review of the 8 action with John Paul Sama.
Coton Sport Garoua yet to win a game in Limbe this season as their woes in the city continued this Sunday following their defeat to Union Sportive of Douala by 1-0. Even though the boys of coach Betenwe Buele practically controlled the game, it was Union's Chai Chamba Cyril who broke the deadlock in the 76th minute for the only goal of the game, which saw Union bagging all 3 points and marching top of Group A. It's part of the pressure. I mean, we have a young team, so we cannot allow them. They are not fully professional, so we have to assist them. And when they hear us back like that, I think they have some morale. Next week again, next match against Tonnerre, that's the way forward. Next match against Tonnerre, yeah. They beat us 3-0 in Yaoundé. We need to, I think Avion FC Omkam found it difficult at home against Colombe of the Jahan Lobo, who edged them by 1-0, while Tonnerre Calabar Club and PWD of Bamenda separated on a controversial virgin scoreline in Pool A. Young Sport Academy of Bamenda, on their part, continued their winless run as they could only manage a point away to Astro Football Club of Douala in a game which they led right up till the 82nd minute, when Marius pegged them back for the spoils to be shared in that encounter. Nothing much to say, but just I'm very discouraged because we won the match already. At the last minute, they equalized. The rest of Group B matches on match day 8 ended in a 1-0 scoreline for the teams involved as Unispo of Bafang scored their first goal of the season after 7 games played. For this edition of the Primetime Balingua newscast on STV, we thank you very much for your kind attention. Take the rendezvous same time tomorrow for another edition of the newscast. From us in Douala, it's good night. Good night, Oguyen. Bonne soirée, Peter Saussier, mesdames et messieurs. Bonne soirée, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. STV, votre télé. Black is natural.